En fait, tu te fous de notre gueule. Tu sais très bien que en vrai, il y a un soleil. Voilà. Le soleil existe. On peut avoir accès au soleil parce qu'on habite dans les catacombes. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de soleil. Voilà. C'est plus ou moins ce qui a été dit. Du coup, on s'est barré en tant que. Je me rappelle plus du nom de la fille. Je sais plus. Et du nom du mec aussi non plus. Alors, il y a une fille avec des cheveux blancs qui s'est barrée. Et le vieux à moustache, là, il a suivi. Ça va, c'est plutôt clair? Ok, si c'est plutôt clair, normalement, ça devrait marcher. Je joue à la manette, ne t'inquiète pas, petit jeu. D'ailleurs, je vais peut-être replacer un peu cette caméra. Attendez. Hop là. Ouais, comme ça, c'est mieux. Alors normalement on va avoir le son. Je vous laisse l'intro quand même, ça peut être bien. Cybertopia, on commence actuellement histoire. Ça lag un peu, mais c'est bonjour, elle est là. Ça lag un peu, mais le jeu est en 8 bits, donc en fait, normalement, ça devrait pas laguer de ouf. Pardon, bienvenue le raid, vous avez cassé la porte. L'alerte a fonctionné parce que j'ai un problème d'alerte. Je crois que je vais taper Streamlabs. Enfin non, pas taper. Je vais le regarder entre six yeux. Oui, ça rame, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est que l'intro. C'est étrange. Donc je fais comme si. En fait, à chaque fois que je lance le jeu, j'ai l'impression qu'il... Qu'il le met à toute balle, alors que en fait, peut-être que je devrais le lancer plus tôt. Je sais pas. Mais là, ça rame incroyablement. Attendez, je regarde, parce que c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une mise à jour en plus. Non. Ça a baissé en débit, je sais pas pourquoi. Voilà, c'était beau, hein. Il y a des références à Miyazaki, vous avez dû voir. Si vous aimez bien Miyazaki. J'avais partagé aussi Man Ben de Naoki Urasawa la semaine dernière pour pouvoir vous faire un petit topo anime et comment on dessine les mangas. Voilà. Je vais un peu baisser ça. Je vais peut-être déplacer un peu ça. Ah, mais j'ai pas mis le stop config. Alors, la config, c'est très simple. Un laptop. Donc, c'est pas la config la meilleure, hein, si tu veux savoir. C'est un laptop que j'utilise pour le travail. Et je travaille dans la vidéo actuellement. Au bois d'elle. Donc c'est un laptop. Donc appréciez quand même que ça fonctionne. Ah, il n'y a plus le son. Il est dead le son. Le son est dead ou qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va aller vérifier les paramètres. Qu'est-ce qui se passe? La config normale, son. Il est toujours là le son, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a décidé de die? Plein écran, non. Ah, il me fatigue déjà. Alors on va voir s'il y a du son, hein, mais je sais pas que je l'entends pas. Moi je l'entends pas, je sais pas si vous l'entendez.
Oui, donc du coup, mon ordinateur est constamment modifié. Ah, il y a du son, mais c'est du son de pas. Donc vous n'allez pas entendre beaucoup. C'est vrai que la musique, on a eu un problème la dernière fois, il y avait vraiment très peu de son. Alors du coup, je vais augmenter un peu le volume de la musique. Ou c'est le volume principal, on va augmenter un peu comme ça. C'est un peu mieux là. Peut-être le mettre à zéro aussi. On n'entend pas, ouais, très peu. Je vais essayer de voir. Attendez, je fais un... Ça devrait fonctionner, mais on va voir. J'ai oublié de mettre le SSH bot, tu sais, si le truc qui permet de, s'il y a un raid, t'appuies sur un bouton et c'est hyper efficace. Je vais le mettre tout de suite. Ah, mais j'ai quitté. Ah. Ah oui. C'est peut-être pour ça que ça a ramé. Là, ça devrait marcher parce qu'en fait, j'ai augmenté le niveau de décibels capté. Plus. Parce qu'en fait, moi, je le mets à moins 12. Voilà. Moins 12 partout. Qu'est-ce que je cherche? Oh oui, c'est ça, le SSH. Et en plus, j'ai augmenté le son en jeu, donc ça devrait fonctionner. Alors attendez, je vais chercher juste le stop hate and harassment et je vous l'envoie sur le chat. Comme ça, si, je vois aussi vos dangerosités potentielles. Le PC est en PLS. Non, il va très bien là. T'inquiète pas. Il survit. Il y a un petit bruit, tranquille. Tu vois, je l'ai déjà entendu bien souffrir avec un encodage de vidéo de 3 heures, donc ça va. Il est toujours vivant. Ok, je pense que c'est bon. Alors, le son. Est-ce que tu es là, le son appliqué? Voilà. Bonjour. Alors, on s'est enfui d'une prison, c'est vrai. On s'est enfui d'une prison pour aller chercher la lumière. Ah oui, il y a des bombes, j'avais oublié aussi ça. On va exploser ça. Alors, c'est un jeu avec des scanlines, là, j'ai utilisé les scanlines. Je vais peut-être enlever le retour d'ailleurs. Et il va pas bien qu'accoucher. Ok. Il va pas bien, ok? Il va pas bien, mais il vit quand même. Il y a eu une mise à jour là hier, il a failli mourir. Mais ça va. Faut être optimiste dans la vie. Un jour, il explosera. Ce jour-là, je ne serai pas là pour regarder. Oui, ça saccade un peu, mais c'est en fait parce que j'ai toujours l'aperçu de OBS. Là, je l'ai enlevé, normalement, ça devrait être bon. Après, j'en vois. Je fais pas trop d'efforts sur l'optimisation de la vidéo, j'avoue. Ça saccade un peu, là c'est bon là. Ça tourne bien là. Bah oui, c'est ça, faut pas regarder son retour, faut jamais regarder son retour. Faut accepter qu'on est moche. Mon pisteur nocturne, bouhouhou, ok. Donc là on est passé par là, et du coup on était... Alors, il y a un goal. Hein. Le goal, c'est apparemment. On peut récupérer des magazines cochons. Donc, le goal, c'est pas de les récupérer. Pas du tout. Ça sert à rien, mais bon. C'est juste. On récupère tout le sel aussi de la France, hein, bien entendu. Parce que c'est la monnaie. Ah, j'ai claqué mes bombes. Oh non, mais j'aime pas ce genre de truc. Ah, ça marche. Ah, il y en a deux. Ah, ça marche. J'appuie. Voilà. Bon, il n'y a même pas de... y a même pas de bombe ici. Merci. Déplacer. Ah non, mais il faut déplacer dans l'autre sens. Attendez, attendez, attendez. Voilà, comme ça. Parce que la vapeur, vous savez, ça brûle. Et après, il faudrait que je tire ici. Waouh, quel puzzle. Digne de Raving Bell. Tous les jeux de Raving Bell ont été tués par ce puzzle. Bravo, bienvenue. Pourquoi il veut pas? Ah, parce qu'en fait, il veut que rentrer sur le côté. Ok. Le puzzle. Ce jeu dure 15 heures. Hein. On a déjà joué, je sais pas, 4 heures la dernière fois.
Donc du coup, il reste pas longtemps. On dirait que... Hello Samui. C'est à moi de jouer maintenant. Ah donc du coup on va pouvoir changer de perso, c'est ça? Oui, allez hop. Comment qu'on change les persos? Comment qu'on change les persos? Attends! Comment qu'on change les persos? C'est quoi déjà les touches? Aide. Ok. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi déjà les touches? Je ne sais. On va faire comme si c'était... Ah bah voilà, ça y est. Tchou-tchou-tchou! Ah oui, mais c'est... C'est trop bizarre de changer avec L, mais je vais dire que ça se passe bien. Non, ça c'est R. L. Tiens! Ça c'est les plantes venimeuses, je sais pas pourquoi elles existent, mais elles sont là. Moi je trouve que ta ref, Hello Samui, c'est un peu trop... C'est un peu trop Charlie et Lulu, hein. Ça donne un peu l'âge, hein. Quand même, hein, je trouve. Alors, vous voyez que j'ai du skill, hein. Le but, c'est de spam. Voilà. Et là, on a trouvé une clé, normalement. C'est un jeu qui mérite beaucoup de réflexion. C'est trop de droite. Charlie et Lulu, je sais pas. Sans doute, hein, c'était quoi? C'était sur M6, hein. Je sais pas. Ah, c'est trop compliqué. Quel puzzle, hein, incroyable, digne de Zelda, que j'ai pas du tout joué de ma vie pendant trop longtemps. Oh là là, c'était dur. Alors attendez, on va essayer de faire un kill. Ah, ça sert pas à grand chose. Voilà, comme ça c'est fait. Regardez le manque d'effort, le manque d'effort. C'est magnifique. Bim! 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 Mais tu vas te calmer, Cisaiox. Je sais même pas si c'est Cisaiox. J'ai perdu trop de vie, pour rien. Attendez, tu me donnes une vie? Ouais, merci. Oh non, c'est un coup à mourir, ça. Je suis vraiment pas doué à ça. Bon, allez, hop, on y va. Je descendrai plus jamais de ma vie. Attendez, faut aller en bas ou pas? Ah, il y a une clé. Oh, bon, j'ai une clé ou pas? Je crois pas, hein. Attendez, ah mais c'est vrai que j'ai de la bouffe, j'utilise jamais les trucs que j'ai dans la poche. Mais voilà, on a de la vie. Est-ce que je peux bloquer ça? Non. Alors, il y a une porte qui se ferme. Je n'ai pas du tout de clé. J'ai l'impression. J'ai une boisson énergisante, ok. Je peux faire de la recette, c'est bien. Et ça ne... Et rien ne sert. Attendez, mais on a entendu le début, ça, de... Au tout début. J'ai pas trouvé le truc. Je viens de m'en rappeler. Mince. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est un bouton? Faut appuyer? Faut taper peut-être. Faut aller taper. Ok. Ok. Oh, c'était pas ça qu'il fallait faire. Ok. Ok, donc du coup là il faudrait que je fasse... Hop. Hop, je fais quoi? Ah oui, il faut que je déplace la patate. Attendez. La patate.
Voilà. Je change, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape. On passe de l'autre côté. Je charge, je tape. Ah, j'ai fait mon glow. T'as fait ton glow up? Tu brilles, c'est bien. Il faut, hein, moi je l'ai fait hier. Ah, je l'ai loupé! Attends, reviens petite... Pierre. Bon, comme ça c'est mieux. Allez, allez. Ah non! Vite, 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 vite. Ah. Ok. Bon, c'était juste pour la clé. Alors, ça c'est bon. Ok. J'ai pas envie de m'embêter avec les plantes venimeuses en fait. Donne-moi de la vie! Oh bon, d'accord, si c'est des bombes, je dis pas le nom. On a réussi à passer sans mourir et en récupérant de la vie. Super! Là, on était dans un centre commercial, mais le centre commercial il devient très très grand. Oh, je sens que je vais passer, je vais die. Attendez, attendez. Ah, ok. Donc là-haut, il y a besoin d'une clé. Je vais réappuyer ici. Ça m'aide pas des masses. Ah, peut-être. Ok. Ah, mais ça se casse, ça. Les œufs de alien, là. Ok. Allez, allez. Je suis censé faire quoi là? Eh bien écoute, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok. C'est un puzzle. Je vais ouvrir ici. Voilà. Et je vais ouvrir là-haut. Faute de tout casser, faute de pouvoir tout brûler. Exactement. Et c'est pas très compliqué, ça, je sais faire. Là, ça va, ça roule bien. C'est pas, l'ordinateur est pas en PLS du tout. On est d'accord. Il survit, là. Vous voyez bien le jeu. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Si. Ça sert à quoi de mettre des trucs où en fait il y a rien qui sort? Ah. Attends. C'était pas du tout ce que je voulais faire. On veut de la lumière. Voilà. Attends. Ouais, c'est décalage quoi. Mais c'est pas trop grave. Si vous m'entendez bien. Ah, il y a des trucs qui sortent des... Ah, ok. Donc là, je comprends pourquoi il faut taper les... Il faut taper les cadavres. Les cadavres, les œufs. Ah, attendez. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah! Ok. Okay. Wow, il y en a beaucoup. Et j'utilise des bombes pour rien. Ah, merci. Ok.
Ah, il y a un gros. Il y a un plus épais. Un plus grand. Et il lance des trucs. Je me posais la question de à quel moment allaient arriver les trucs qui tapent. Voilà. Bon, on trouve des trucs. Hein. Il y a des œufs. Conséquent exactement. On a trouvé des champis, la vraie vie. Je me demandais aussi. Hop, bim. Est-ce qu'on peut faire à manger avec des champis? C'est bien le champi. Ah, il y a mon détecteur de trésor qui a réagi. Petit bruit, c'est le détecteur de trésor, donc il devrait y avoir un truc ici, donc, un moyen de passer. Peut-être en bas. Et là, on revient pas au début? Si, on revient au début. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un truc, là, dans le fond. Alors, la carte. Ah, ça n'est pas indiqué. Il y a peut-être un truc à exploser, peut-être là. Non. Un moyen de passer tête en bas, peut-être en bas, exact. Tête en bas. En haut. Non. Non. Je vais regarder en bas. C'était bien d'ailleurs Sea of Thieves. Ah voilà, il y a un petit passage là. Ok, c'est pas du tout visible mais... C'était bien Sea of Thieves Running Man d'ailleurs. J'imagine que t'as joué avec Big Flame Girl. Et Captain Blade aussi je suppose, parce que j'ai vu la dernière fois que Captain Blade faisait partie de votre équipe de pirates. En même temps tu me donnes les réponses hein, donc j'ai envie de te dire... C'est peut-être des calembours, mais il y a du sens. Je trouve qu'on gagne pas masse de thunes hein, dans ce nettoyage de crabe. Ah, t'étais avec Akikoria, ok. Là, il faudrait que je mette une bombe. Mais d'abord, on va essayer de chercher voilà, ceci, qui est de la vie. C'est des mécaniques de jeu qui sont intéressantes, les histoires de temps et de gestion de temps. La sortie. Ok. John, regarde. Hein, c'est John d'ailleurs. Regarde la sortie. J'éviterais de faire ça si j'étais toi. Pourquoi? Encore toi? Pousse-toi, je ne te croirai plus jamais. Ça, la porte elle va se fermer, c'est ça? Je connais l'histoire. Ouais, merci. Ah. Rattrape-la. S'il devait lui arriver quelque chose. Ah, je le. Quoi? John y voit aussi? Ah mais non mais ça sent le boss ça quand il se retrouve tout seul. Ouah, John. Non mais faut aller en bas John. Il y a une sorte de porte en bas. Voilà, hop, ici. Non? Ah.
Zucoder? Ok. Jon! Par ici, Jon. Ah, ça va être un truc en parallèle. Oh! Oh, bah attends. Ah, je fais une die. Attends, je vais t'ouvrir le troisième aussi. Voilà. Jon, tu peux y aller. Et je te paierai le jeu. Ouh là là. Ouh là 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 là. Jon. Il faut que tu me casses ça. Ah non, d'accord. Ok. Ça peut être un verse aussi, s'il vous plaît, merci. Voilà. Je sais pas, non. Quelque chose. Comment je vais faire, hein? Attends. Ah oui, il faut que j'avance Jon et que je réappuie. Ok. Je rechange Jon, je pousse. Déplacer dans quel sens? Ah oui, il faut que je me mette là, d'accord. Je pousse ici. Ok. Ah oui, non, mais ça c'est bête, ça par contre. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Je passe de l'autre côté. J'attends Jon. Il y avait un passage en bas? Ah bon? Tu as vu un passage en bas? Où ça? Attends, je regarde la carte. Ah oui! Attends, on va appeler, voilà. D'ailleurs, je ne sais toujours pas son nom. Attendez, on va checker nos... Comment elle s'appelle déjà? Sam, voilà, c'est ça. Il, d'ailleurs, c'est possible que ce soit un homme. Alors, attendez. Et après, elle a été changée au début du jeu. Hop. Attends, faut que j'aille en bas. Ah oui. Bah, du coup, j'ai besoin de toi. Merci, Raving Bell, de faire le travail à ma place. Hein. On ne sait jamais. Hein. Ah, voilà. Du sel. Ah non. Une pièce détachée. Ça, c'est rare en plus. Super. Bon, bah, salut, je me casse. Hein. Attends-moi, Jon. Jon. C'est vrai que Jon. Le logo de Jon est archi bien. Avec la tête ouverte et tout. La tête ouverte. La bouche ouverte. Bah du coup, Jon, faut que tu ailles en premier en fait. Désolé pour le backseat. Non, mais t'inquiète. Si j'ai loupé une pièce détachée, je m'en serais voulu. Parce que les pièces détachées, ça sert à faire des trucs, je crois. Je sais pas quoi. Mais ça sert à faire des trucs. Ah, bah très bien. J'imagine que là, il faut... Ah, j'espère qu'on va pas se battre contre un boss en se séparant comme ça. Hein. Je suis pas d'accord. Attends, faut que je nettoie d'abord. De toute façon, il y a le tag parti avec spectateur en soi. Et là, faudrait que je balance une bombe, j'imagine. Donc, on va faire ça. Aïe! Allez, timing. Oh là là, non, mais c'est trop loin là! C'est pas très intéressant ce que vous avez fait, monsieur. Voilà, c'est mieux. Là, vous avez remarqué à quel point j'essaie de faire attention avec ce genre de petit passage. Ah là 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 là. Donc, elle a des super pouvoirs. Qui lui servent à bourriner, j'imagine. Ah non, on peut pas bourriner ça. D'accord. On va falloir patienter. On va attendre ici. Alors, des bombes. Coucou 13 bis. Coucou, du coup, Titi Louis. Bienvenue dans les catacombes de Eastward.
Donc la déchetterie de l'Est. Je crois que c'est ça, hein. Ou, ah non, c'est peut-être le quartier de l'Est. Bon, en tout cas, on est dans les catacombes. Hein. Il y a des plantes venimeuses, tout ce qu'il y a de plus naturel, bien entendu. Hop, 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 on s'en fiche des points de vie. Hop. Hop. Et on enchaîne. Voilà, la vie est revenue. Bon, on attend ici. Ah oui, il faut que j'appuie là. Ah, pardon, excusez-moi. Monsieur. Voilà, merci. Est-ce que tu connais histoire de... Alors, il est bien. Il est joli. Bien, un peu simple, je trouve. Après, je suis pas un gros demandeur de jeux difficiles. Donc, voilà. Je vais faire des vies parce que je suis un bourrin et que je fais pas attention. Tout ce qu'il y a de plus normal dans ce genre de jeu. Voilà. Ah ouais, excusez-moi, attends. Tu veux pas te mettre en PLS 3 secondes? Ah non! Et bah voilà. Il est dans ta wishlist, bah tu viens de voir le cadavre. Voilà, on recommence tout au début. Ce n'est pas ce genre de jeu. Ce n'est pas ce genre... Où faut try hard. C'est pas du tout le cas. Par contre, je sais pas où on recommence. Hein. Donc, on recommence du début du tunnel. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est ça. Ça va. Mais il est beau. Il est très beau. Tu peux choisir les scanlines. Donc en soi... Voilà. Tu peux faire comme moi. C'est pas d'effort. Ah, mince. Tu peux choisir ouais, le détail de pixels. Après, bon, c'est un peu du mashup de boutons, mais à part ça... Hop, on évite. Mais je conseille, ouais, on ramasse le sel, donc c'est toujours bien de ramasser le sel de la France. Non ? Voilà. Il n'y a pas trop de respect, hein, mais on est là. Ah oui, donc du coup, là, il va falloir que je passe en deux temps que moi. Allez! 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 Voilà. Là, on est un peu safe. On va faire passer Sam de l'autre côté. En quoi on ramasse le sel? Bah, on ramasse le sel. Bah, en fait, c'est la thune de ce monde. Donc on est minier, donc je sais pas, il n'y a pas de rapport. Mais on ramasse du sel quand on en trouve. Sinon c'est de la bouffe, on fait de la cuisine. Voilà. Ah non. Part. Ouais, non, sinon il est sympa, moi j'aime bien le style, donc il y a des dessins animés, il y a Miyazaki, qui vend du lait. Voilà. Pour l'instant, on est pas encore sorti, on a vu un peu la lumière, mais c'est tout. Voilà. Oui, on est en guerre, exactement. C'est quoi ça? Ah, c'est une... Ah, c'est pour pouvoir passer? Ok. Donc là, moi, je peux pas passer. Là, on s'enfuit de la tôle du maire. Qui nous a chopé en train de sortir de justement des katas. Et que c'était pas bien de sortir des katas, voilà. Là, tu vois que j'ai du skill, mais en vrai, j'en ai pas. Donc, regarde. Ah ! Ça, c'est étonnant, hein, quand même, que j'ai pas été touché par les vapeurs. En général, je suis nul à ça. Mais comme tu peux voir, c'est pas très compliqué. On fait du nettoyage avant de passer. Rien de plus compliqué. Voilà. Et de toute façon, on a tellement de vie. Pas grand chose à s'embêter, quoi.
Jon. Voilà. Donc c'était le passage où on était séparés. C'était censé être compliqué. Je pense que c'est compliqué pour les enfants. Et encore. En tout cas, je pense que c'est un très bon jeu pour commencer justement quand t'es enfant. C'est un peu comme le Zelda de l'époque. Sauf que là, c'est pas... tu vas chercher une princesse. Ah, il y a de l'eau. J'imagine qu'il va falloir que je pose des bombes. Alors, hop, on va faire comme ça. D'accord, ça... Ah, d'accord. Ok. Ah, c'était pas vraiment ça qu'il fallait faire. Mince. Plus vite! C'est pas un jeu prise de tête, c'est un jeu plutôt agréable en fait. Là j'ai avalé l'eau, mais je sais pas si c'était nécessaire que j'avale l'eau du coup. Oh là là. Ah, j'ai réussi. Ah, ça monte l'eau. Ok. Excusez-moi, c'est... Compliqué. Oh, pile! Oh là 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 là, j'ai fait du bowling. Bon là, y a pas de trésor. J'ai un petit objet qui me permet de trouver des trésors que j'ai acheté dès le début. Voilà. Et j'ai vu ton commentaire, hein, Raven Bell. Hein. Tu sais, c'est normal. Tout est travaillé pour que tu ries. Hein, t'inquiète pas. Hein. Tu sais que c'était bien sûr fait exprès. Je suis un Anthony Turner. Très reconnu dans ce style, bien entendu. Ah oui, ça y est, on est sorti totalement. Ok. On peut pas aller du côté de la machine? Ah si, une porte. Je l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. I need my lunette, je crois. I need more lunette. Peut-être que j'en mets une deuxième, au cas où. Bah tant mieux. Tant mieux, c'est... tu vois, c'est ça le style de l'entertainment. C'est... hein, rire avec et pas contre, hein, bien entendu. C'est où la porte? La porte est où? C'est là, là? Ah oui, c'est la chevillette. D'accord. J'ai tiré la chevillette. Et la bibliothèque, chère. C'était très compliqué comme puzzle. Je sais pas si vous avez vu, hein, mais... Pourquoi elle est possédée, cette bibliothèque? Est-ce que vous avez... Hein? Ah, on est chez le maire. Ah, carrément, les catacombes, c'est sous le... Ah, il a une grande cave, hein. Jon, on est rentré. Bah ouais, on va prendre de la bouffe. On va piller le maire. Parce qu'on est là pour ça. Ah, une porte. Waouh! Ça doit être là que le maire garde tous ses petits secrets. Possédé par le maire. Ah! Il était attrapé. Ah! Jon! Jon! Oh non, mais c'est un boss! Quand il est séparé, Jon, il est... C'est un boss. Il va prendre cher encore. Oh, je n'ai pas envie. J'examine pas, je continue. J'aurais peut-être dû examiner. Attends, je vais examiner. On dirait qu'il manque quelque chose. On dirait qu'il manque quelque chose. Oui, je crois que c'est un aiguillage, donc il manque quelque chose. Oui, clairement. Bonjour. C'est ici la sauvegarde? Ok. On sauvegarde dans le frigo aussi, Titi. Oui, si tu ne le savais pas. Alors oui, on va sauvegarder. On va essayer de se faire une petite bouffe aussi. Une petite omelette au... Est-ce qu'on peut se faire un truc genre... Alors, champignons... et œufs. Et deux œufs. Genre, est-ce que ça fait quelque chose? J'adore les musiques de cuisine en général dans les jeux, c'est trop bien. Et j'ai fait légumes sautés aux œufs. Ah, mais il n'y avait pas de légumes dans mon truc. D'accord. Ok. Si... Ok.
Je vais faire un oignon, une patate, le poivre, et un œuf. Non, pas un œuf, on va arrêter, on va faire un peu un truc végé. J'ai augmenté mon sac, hein. Ah oui, c'est vrai que les champis, c'est pas végé. Ah, c'est des bestioles, c'est vrai. J'avais oublié. Mince. Poêlée de légumes. C'est vrai que c'est des bestioles, c'est de la moisissure. Des bestioles, hein? On est d'accord? J'ai acheté quoi? Ah, d'accord. Je peux acheter un truc. Ah, l'eau de munitions. J'ai pas de munitions, j'ai pas de bombe. L'eau de bombe. J'en ai besoin? On va dire que oui. Le sac à dos est plein. Ah, faut que je mange. Attendez. Attends, je mange un peu. C'est où qu'on mange? C'est là. Alors, la poêlée, elle fait 4-3. Bah voilà, on va prendre ça. On a des cuirs en plus. C'est bien. Hop. Et du coup, si je fais ça, et que je fais hop, je fais le plein de bombes d'un coup. Bon, bah, viva le boss, hein. C'est quoi qui... Ah, ça a été bloqué? Oh non! J'ai rêvé d'une attaque de drone. Je veux pas une attaque de drone, moi. S'il vous plaît. Ah. 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 S'il vous plaît. Passer derrière. Passer derrière. Ah, je m'enfuis. Ah, il peut pousser des trucs. Ah, d'accord. C'est un gros crabe en tout cas. Hein. Ah, ça fait de la lumière. Ok. Le but c'est de bâcher. Hein. On est là pour ça. Hein. Oh les petits. Ah, il est tombé sur moi. Je suis très content. Voilà, c'est pas incroyable, hein. Mais... Ah, il fait des levées maintenant. Voilà. Aïe. Oulala. Allez. Ah, oh, il est pas rentré. L'automode maintenant. Alors comme le facteur il fait des levées. Alors l'automode j'ai pas vu. L'automode c'est le problème, c'est que l'automode je sais pas. Bon bah voilà, j'ai perdu toute une vie, hein, normalement. Merci pour les vies. Ah bah il y a des vies là. Attendez, je récupère mes vies. Monsieur le crabe. Attendez! Monsieur le crabe! Oh là là. Mais je déclenche pas au bon moment. Bon, c'est le moment de manger. Il est sorti ou pas? Ah si. C'était la fin en plus. Il m'a fait claquer ma poêlée de légumes lui. L'automate, malheureusement, je ne peux voir parce que c'est Twitch. Et je n'ai pas ouvert le truc de Twitch. Franchement, deg. Deg. Claquer une poêlée de légumes pour ça. Franchement. Ah, peut-être que j'ai trouvé autre chose. Merci. Merci, hein, je sais. Les boss sont stylés, ouais, c'est pas mal. Le premier était cool. C'était un peu les boss à la Resident Evil où tu dois traverser des grands couloirs, mais...
Mais voilà quoi. C'était pas très complexe, hein. Je vais pas mentir. Hein. On va essayer de se refaire une poêlée parce que. Ah, le son. Bon, on va voir si on fait une, si on fait un truc spécifique là. Merci pour le son. Je suis sûr qu'on peut faire un truc bien. Moi, je suis juste nul à ce genre de jeu. C'est pour ça que je joue pas en fait. C'est quand même joli. Ça, j'aime bien. Ah, des œufs à la vapeur. D'accord. Ça se fait ça? Je savais pas. Ok. Bon, on va arrêter d'utiliser les œufs. On va utiliser que les patates, oignons. Est-ce que. Ah. Mon sac à dos est plein, faut que je mange. Attendez. Oui, mais ça me sert à rien, j'ai déjà le truc à peu plein. Voilà, on a rempli les bombes. Et on va faire nos patates. Patates aux oignons. Oh. On va avoir des tomates vertes. Franchement, patate oignon, c'est peut-être un peu mieux que des poêlées de légumes. Hein. On mettra du poivre plus tard. Est-ce qu'on peut acheter des trucs? Ah, mais non, mais chronologie. Alors, par contre, là, je suis désolé, 12 bis, là, t'abuses. Hein. Tu vas te faire ban. Voilà, 12 bis, les timers de chronologie, c'est pas les timers dans Chief Stream. Donc, tu vas te calmer tout de suite. Ça rame, hein. Je me doute que ça rame aussi de votre côté, mais c'est pas grave. Hop, part. Non mais il se permet des trucs là, 12 bis, vraiment voisin, compliqué. Hein. Bon, il y a rien à acheter, hein. C'est ça qu'on a vu. Hein. Il y avait rien à acheter. Il faut aller voir le robot là, le robot il est plus sympa. On va aller acheter des armes, parce que je sais pas à quoi ça sert, mais... C'est une tartiflette sans le fromage ou les lardons. Oui, un peu. Du coup, on va sauvegarder parce qu'on peut pas continuer. C'était la chambre du boss. Maintenant, il fait dodo. On l'a pas tué. Il est juste. Il est endormi. Bah oui, j'ai essayé de faire une tartiflette, mais les gens, ils veulent pas. Ah, mais c'était ça. Moi, je croyais que c'était un bâton. On a réussi à faire marcher quelque chose, genre le métro. Je n'aurais jamais cru qu'un tel endroit existait. Jon ! Qu'est-ce que tu viens de faire ? Ça a fait un bruit énorme. Bah en fait, j'ai endormi un gros crabe. Ah le maire. Il est cheap. Où sont donc parties ces petites souris ? Une frittata, je ne connais pas. Oh, voilà mes petites souris, en théorie. Vous en faites une tête. Le spectacle n'a même pas encore commencé. Quoi, va falloir qu'on se tape contre toi. Alors, vous ne voulez pas savoir de quel genre de spectacle il s'agit? Non, non, ça va, on traîne un peu, hein, tranquille. Laissez-nous sortir. Oh, mais je vais vous laisser sortir. Oui, je vais vous laisser sortir, mes petites souris. Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de Charon? Alors oui, Charon, c'est le mec là qui est dans sa barque et qui nous fait traverser les Styx, non? Je vois qu'il ne vous est pas inconnu, donc bravo. Mais ça ne devrait pas me surprendre de la part du roi de la scène de l'île Cocotte. Quoi? Tu es Jasper? Tu es un roi de la scène? Un comédien extraordinaire. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis le seul comédien de l'île Cocotte. Une omelette aux patates et aux oignons, une spécialité espagnole. Ah, mais j'en ai déjà fait du coup. Je savais pas que ça s'appelait frittata. Vous en aurez pour votre argent. Ça suffit, écoutez-moi bien, j'ai réservé trois places à bord de Charon, rien que pour vous. Oui, vous allez faire un petit voyage tous les trois. Ah, faut lui donner une pièce, moi je donne rien. Hein. Un petit voyage dont personne ne revient. Ah, tu parles de Charon? Oui, oui, il faut lui donner une pièce. Alors, il y a plusieurs histoires sur l'histoire des pièces.
C'est pour ça aussi qu'il y avait l'histoire de mettre les pièces sur les yeux pour le travers, pour le la traverser, quoi. Les malheureux. Honte à toi qui trompe, toi qui abuse. Ils désirent le monde que tu leur refuses. Mais c'est un poète, le fossoyeur de film. Non, Raving Bell, du coup. Mais c'est un peu le même système. C'est vrai que le troll, l'idée du troll, ce qui est gardien du pont, c'est des trolls. C'est pas les géants, je sais pas quoi. C'est les trolls. Oui, c'est possible que ce soit les trolls. J'ai joué à Destiny et il y avait des trolls qui ont essayé de me carotter ma thune. Je t'ai dit non. Et après, ils ont voulu se taper. Du coup, j'ai fait comme dans tous les RPG. J'étais déjà au niveau max avant d'avoir commencé le jeu. Donc, du coup, voilà. J'aime bien faire les quêtes nulles et grimper. Et après, tout le jeu est très simple. Étrangement. Ce sont les ténèbres et le feu de l'enfer et le froid du néant. Vous ne fou... Nous ne f... Quoi? Vos pas ne fouleront plus nos terres bienheureuses. Non! Vous parcourez désormais des contrées empoisonnées. Ah, ils vont me... Ah bah voilà. Et voilà. C'est ça la politique. On va se faire jeter de notre chez nous. D'un intérissable. Miasme. Eh oui, vous venez d'entrer dans Last of Us. Nous sommes donc en compagnie de Jon et Sam. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé Last of Us. Lavé de tous mes péchés, moi, bon, tout ceci n'est pas notre destin. Non, dans votre cœur, vous sentez bien notre vertu. Taisez-vous! Mais c'est... C'est un polémiste très reconnu, lui. Taisez-vous. Ça me dit quelque chose. Il a la même tête en plus. Les cheveux. La barbe de 3 jours et les lunettes. La rage de Charon grandit. Ah, mais Charon, c'est juste le métro. Mais vas-y, tranquille, hein. Tranquille, vas-y, donne-moi ma carte Navigo, tout va bien. Le temps des paroles est révolu. Charon seul décidera de votre destin. Bah en fait, il va m'emmener juste... C'est la 14, quoi. Il y a pas de... Tu dis que c'est Charon parce qu'il y a personne qui contrôle ton métro, mais sinon ça va. Oh non. Vous êtes déclaré coupable. Le puissant marteau de Charon, ça va. Ah, Charon, c'est la justice. D'accord, ok, merci. Monsieur, vous êtes un peu confus. Je pense qu'on commence le jeu. Hein. Polémie, ça arrive avec la clôture de Kist. Oh là, c'est dur pour les Kist. Hein. Effroyable, même après que je t'ai donné une chance de rattraper tes péchés, non, il est trop tard pour toi. Hein. Tu n'appartiens déjà plus au monde de l'autre côté de cette porte. Ok. Donc ça s'appelle reconduite à la frontière. Hein. C'est un peu le même principe parce que les portes, c'est ça. La représentation des frontières. Ouais, vu qu'il y a des barrières, tout ça, il y a des gens armés, un rapport de justice, soi-disant, on est très content, merci. Il n'y a pas du tout de problème dans votre rapport, monsieur le politique. Monsieur le maire, la gorge de Charon, elle est cassée. Quoi? Impardonnable. Même les pires criminels éprouvent un certain remords pour leur exaction. Mais pas vous! Non! Vous avez foulé les terres interdites. Vous êtes évadé de prison. Et maintenant, vous vous en prenez à la gorge de Charon lui-même? On n'a rien fait, non? Disparaissez, je vous bénis de cette terre pour l'éternité. Et voilà. C'est bon? Il y a la porte qui s'ouvre? Je peux monter? Vous avez payé mon ticket? Alors voilà, là excusez-moi parce que ça a flashé. Charon vous attend. Que vos derniers pas sur cette terre soient ultime acte de miséricorde, il cocotte. Déjà, un métro qui s'arrête après qu'il y ait du miasme. Est-ce qu'il y a des places assises au moins ou le charron il est rempli?
C'est fini, on est fichu. Mais non, il y a toute une histoire après, t'inquiète. Bienvenue dans le train. Attendez, 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 attendez. Je sais. Je sais ce qu'on va faire. Hop. Hop, hop. Hop. Parce que si vous connaissez un peu la France, vous savez ce qui se passe quand on monte dans et qu'on nous dit. Ne pas descendre lorsque le train est en marche. La baie de la baleine, la blanche. La perle de la côte, le plus grand port de l'Est. Toute voile dehors, les navires y accosteront fièrement, les mâts tutoyant les rocieux. Le souffle puissant des baleines se mêle au chant des marins. Ok, au large, le temps se gâte vite, le vent fait rage et la houle soulève les flots. Mais dans la baie de la baleine blanche, les eaux sont calmes, lisses comme un jupon de jeune fille. Quoi? Pas compris. Les fantômes des baleines rôdent dans les eaux. Là, il est en train de nous donner la quête ou il parle de ce qu'il kiffe là? Je comprends pas. Maudite à jamais, la baie est désormais à la tête des morts. Ok, donc on va du coup dans un autre endroit. Ok. On va plus retrouver Miyazaki. La terre des morts. Oui, une fois expédié là-bas. Les criminels. Aïe! Attendez, attendez. Si on revient dans le truc, il y a un deuxième truc que je peux vous balancer. Ils y sont arrivés, ils sont vraiment montés dans le charron. Bah oui, il y a tout, il y a tranquille. Impossible, il doit y avoir une erreur. Quoi? Tu penses que le maire raconte des salades? Encore? Ça fait des heures que le maire s'égosille là-dessus. J'ai de la soupe sur le feu, moi. Finissons-en. L'indolence, c'est l'indolence qui a bien failli faire de moi un oiseau de malheur. Oui, j'ai failli apporter le malheur sur l'île Cocotte. Qui n'est pas une référence à Zelda. Dites pas ça, on sait tous que tout est grâce à vous. C'est vous qui nous avez sauvés. Vous, le grand et puissant Hoffman. Ah, je crois que sa maison va être détruite à part Charon. C'est Charon! Charon est là! Alors là, ça, c'est pas moi qui c'est... Alors attention les yeux, hein. Fermez les yeux. Parce que là, c'était des flashs, quand même. Et voilà, chais! Chais! Petit trèfle à Big Flame Girl, du coup. Attendez, hop. Chais! Chais! Voilà. C'était la petite trèfle à Big Flame Girl. Charon fonce à travers l'île Cocotte dans un hurlement. Alors que Jon regarde par la fenêtre, il lui vient une pensée. C'est la toute première fois de sa vie qu'il y songe. Minuscule, se dit-il. Si minuscule qu'ils disparaîtront en un clin d'œil. Jon, c'est chez nous, s'écrie Sam, qui regarde elle aussi par la fenêtre. Oui, se dit Jon, c'est bien notre maison. Premier chapitre, enquête de vérité, à suivre dans le prochain épisode de Eastward. Est-ce qu'on se fait une pause? Attendez, attendez, parce qu'on est en re dans la SNCF, du coup je vous mets le... Jon, je crois que je viens de voir le maire, sinon il y a ça aussi. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Voilà, bon, c'est une rêve de vieux. Je crois que je viens de voir le maire. Voilà, excusez-moi, je vous écris dans les oreilles. Ils avaient l'air de plutôt contents. Je ne sais pas. Nous ne pouvons partager sa joie. Non, car nous nous dirigeons vers la surface. J'espère que tu vas m'insupporter si tu parles tout le temps en alexandrin. Mais c'est tellement beau là-haut. Le ciel bleu s'étend à l'infini et tout le vert, tout est si vert. Balivernes! C'est la baie de la baleine blanche, petite!
La baie de la baleine blanche. Le train sortira bientôt du tunnel. Préparez-vous au changement de pression. Pression ? Quelle pression ? J'espère que vous appréciez cette édite à l'arrache. Waouh ! On est où ? Regardez, regardez, c'est le ciel. J'espère, c'est le ciel. Chapitre 2. Les enseignements de la forêt. Bon, et si on se faisait une pause, genre 3 secondes, histoire que j'aille faire un café ? Je rappelle que le café est une mauvaise addiction due au travail, hein, je précise. Voilà. On va se faire une pause ici. On va faire comme si on regardait tous par la fenêtre. Et on va s'arrêter là. Si vous voulez, je vous mets la dernière. Je sais pas si tu... L'heure... Bah oui, mais t'inquiète, tu dis oui. Hein. Moi, j'espère que c'est la forêt. Ouh là 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 là. Je vais vous mettre du coup... quand même le dernier mème pour la même sonore pour cette nice. Voilà, et du coup on va s'arrêter juste 3 secondes, on se fait une petite pause, je vais écrire pause en grand et je prends un café juste et je reviens. Voilà, alors attendez, je vais écrire en grand. Comment qu'on va faire? Je vais chercher je vais écrire un grand. Je vais faire à l'arrache, comme d'habitude. Donc pause. Parce qu'en fait j'avais un écran pause, mais maintenant que j'ai tout recommencé, j'ai tout arrêté, tu vois, il n'y a plus rien. J'ai tout cassé. Donc on va écrire pause en grand. On va changer directement la typo. Madère. Madère Regula. En 258. Ah c'est bien, c'est déjà en 258. Pause. Retour d'ici peu. Et si on veut être plus clean, on fait un cœur. Attendez, comment je vais faire un cœur? Comment je vais faire? Attends. Je vais vous l'envoyer. Hop, je vais le prendre ici, je vais faire un copier et je vais le coller dans le texte. Oh, c'est comme ça qu'il le fait. Ah, c'est pas très clair. Hein. C'est pas très clair, monsieur Madère. Hein. On va changer la type. On va mettre un... On va faire genre que ça fait partie du fond. Voilà, comme ça. Bon. See you. Et du coup, je vais faire une pause 3 secondes, j'arrive. A tout de suite.